Elle était attendue, cette pouliche, c'est Jeanne Moss qui est associée à Gabriel Bon. Alors Gabriel, bravo, félicitations. Alors tes premières réactions? Oui, bah, à son habitude, j'ai pas eu à forcer son talent. Elle le fait vraiment de belle manière, comme toutes les autres courses. Qu'est-ce qui s'était passé avant les stalles? Elle est un petit peu coquine, elle l'a montré plusieurs fois à plusieurs courses, mais bon, ça se finit bien quand même. Félicitations, félicitations. Alors on rappelle que Jeanne Moss a commis quelques difficultés hein, pour entrer dans les stalles, deux tentatives. La voilà, cette craque, elle reste invaincue. 6 sorties, 6 victoires pour cette Jeanne Moss, cette fille de Gentle Wave qui porte cette casaque, la casaque de Pierre Pilarski qui est présent aujourd'hui. Pierre, le propriétaire bien sûr de Bold Eagle, qu'on voit ici de dos. Et un nouveau succès aujourd'hui également pour son entraîneur Didier Guillemin. Jeanne Moss, élevée par le haras du Bosquet, la famille Laborde, dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques. Et un nouveau trophée, le voilà, pour Pierre Pilarski, qui est en train d'écouter la réaction de son jockey. Bravo Pierre, félicitations, première réaction. Bah, c'est plus facile avec cela, hein. Ça semble, elle a l'air d'être vraiment, j'y connais pas grand-chose, mais elle a l'air d'être vraiment déclassée. Rappelez-nous comment vous êtes venu dans les Anglos? Par Didier Guillemin qui m'a proposé de prendre la moitié de la pouliche. Je ne savais même pas qui c'était, je ne savais pas ce qu'elle avait fait. Alors que quand j'ai regardé, ça a été une bonne surprise. J'ai vu qu'elle restait déjà sur 3 victoires. Donc c'est surtout un cadeau de Didier avec qui je suis amené à travailler avec les chevaux de plat. À l'obstacle, c'est Guillaume Macaire. Au trot, c'est Sébastien Garato. Et au plat, ça sera Didier Guillemin. Voilà. Premier anglo, c'est ça? C'est mon premier anglo, j'en ai une autre qui va arriver, mais c'est une 2 ans, hein, qui s'appelle Google Pontadour. Voilà. Donc l'année prochaine. Voilà. L'année prochaine, effectivement. Bravo Pierre. Bravo. Avec la pouliche, la voici, cette Jeanne Moss. Cette Jeanne Moss. Invaincue donc en 6 sorties. Cette fille de Gentle Wave, élevée par Véronique Laborde. Véronique, bonjour. Sur la photo également, c'est la sœur de Mosacha qui avait déjà gagné ce Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Comme sa sœur finalement. Bravo Véronique, félicitations. Merci, merci beaucoup. C'est quoi l'histoire? Comment vous êtes venu à vous associer à Pierre Pilarski? Ah, ça, il faut voir avec Monsieur Guillemin, c'est Didier en fait qui avait la moitié de la jument et voilà qui a voulu bah, écoutez, faire plaisir un petit peu à Monsieur Pilarski, je suppose. Il savait qu'il avait une bonne pouliche et donc voilà, donc c'est passé couleur de Monsieur Pilarski. Et comment va sa sœur, Mosacha? Oh, Mosacha va très bien. Mosacha ne se fatigue pas beaucoup. Mosacha ne fait pas beaucoup de poulains, très difficile à remplir, mais elle va très bien. Elle est en pleine forme. On rappelle qu'elle avait gagné cette course il y a quelques années, c'est ça? Tout à fait, tout à fait.